un peu en arbre. Plein d'événements différents. On est parti sous le brouillard, on revient sous la pluie. Mais super arrivé là au sable. J'ai presque envie que ce soit le Vendée Globe déjà. Ça serait pas mal. En deux mots, on part dans le brouillard avec un départ très bizarre. Bon, après le départ de la Marina qui était splendide, là c'était un peu bizarre en Brose Light. J'étais dans un bon paquet juste derrière les foilers. D'ailleurs, même le petit matin, j'ai vu Alex Thompson avant qu'il prenne la tête là. Il a mis la poignée dans le coin et là on a tous touché quelque chose. Moi j'ai une dérive très abîmée, la dérive bâbord, exactement comme sur mon Vendée Globe. Donc je sais vraiment pas ce que c'est, mais ça a tapé sur l'arrière de la dérive, donc c'est étonnant. Ça m'a pas empêché de l'utiliser, mais ça faisait un peu mal au cœur quand même. Et ensuite, la course a été assez musclée, donc on a eu des conditions assez fortes. On est allé dans une dépression, donc des vents 25-30 nœuds, ouais, et nous on a eu jusqu'à 42 nœuds. Donc, et puis en fait, on a dans un empannage, le pilote s'est fait prendre par une vague. Et au bas de la vague, il est parti à la battée. Donc j'ai cassé les lattes de la grand voile dans la bastac. Donc 4 lattes cassées en deux. Et donc là, il y avait beaucoup de mer et beaucoup de vent. Donc j'ai attendu le lendemain pour commencer à réparer, parce qu'il y avait encore beaucoup de mer et je voulais pas me faire rouler par une vague avec pas de grand voile. Et donc avec les 4 lattes coupées en deux, j'ai réussi à en faire 3 complètes. Donc en les coupant à la bonne longueur, etc. Et du coup, j'avais la latte 1, 2 et 3 tout en haut de la grand voile, et il manque la quatrième latte qui était pas forcément, qui était pas utile, qui est utile mais dont on peut se passer, quoi. Donc là, c'était dommage parce que c'était juste en arrivant aux Açores, et là, on était passé devant Paul Meillat. On était vraiment dans une super phase de course et on avait une bonne vitesse et je pense qu'on serait arrivé hier si on n'avait pas eu ça, tout simplement. Et puis du coup voilà, c'est la vie. Donc j'ai eu des petites idées bizarres de m'arrêter aux Açores pour réparer, mais finalement j'ai décidé de réparer en mer, ce qui a été pas une mince affaire. J'ai mis à peu près 7-8 heures à tout faire, tout ça. Et surtout le plus long, c'était de renvoyer la grand voile parce qu'il faut qu'elle passe dans les lésies avec plein de vagues. Donc c'était vraiment pas simple. Je suis monté dans la baume, je redescendais. Enfin, c'était long, mais voilà, ça valait le coup. Aujourd'hui, on est au Sable d'Olonne. Et puis sur la fin de course, y avait un dernier obstacle ce matin, enfin hier soir, que j'ai pas très très bien négocié et puis qui était un peu difficile à lire dans les cartes météo. Donc voilà, mais une belle place de sixième avec Vincent qui repart et qui s'est arrêté lui et qui repart, qui réussit à nous doubler. Mais je dirais presque heureusement qu'il arrive devant son ancien bateau, quoi. Donc sur la fin du parcours, il a fait parler la poudre. Et hier soir surtout, j'ai voulu contrôler les deux autres qui arrivent derrière moi, qui sont plutôt mon peloton, que d'essayer de gagner par rapport à Vincent parce qu'il était déjà passé devant. Donc j'ai choisi ce côté-là, mais du coup j'ai un peu retraversé le plan d'eau, c'était pas très malin, et du coup on a passé une nuit très difficile. Donc j'ai pas dormi du tout, et là ce matin, ça boostait, donc super arrivée, bien rapide sur les sables, malheureusement sous la pluie, mais c'est comme ça. Donc super, super ligne, et beaucoup de monde à l'arrivée. Et donc à part la dérive, qui est une pièce qu'on peut enlever du bateau, et les lattes qu'on peut changer dans la grand voile, le bateau il est nickel. Donc je suis vraiment content et j'ai repris plein de repères, même si j'étais pas tout seul sur le bateau. J'ai repris plein de repères de solitaire. Le seul truc qui me manque, c'est effectivement d'avoir eu quelqu'un à bord. Mais par contre, toutes les décisions, etc., j'ai refait mes schémas dans ma tête. Et donc là, je suis vraiment très content d'avoir fini déjà. C'est comme le Vendée Globe, il faut finir. Je crois que ça fait, du coup, c'est la cinquième course en IMOCA que je finis d'affilée, quoi. Donc ça devient rare, je crois, les gens qui finissent toutes les courses. Et du coup, voilà, j'espère que la prochaine, ça sera le Vendée, et que déjà sur le départ ici en novembre, et puis un peu plus tard, l'année d'après, pour le retour. Donc j'espère que ça n'a jamais 203. C'est la deuxième arrivée donc ici au Sable, après mon premier Vendée et cette New York les Sables. Donc j'espère que ça me portera chance pour le Vendée Globe. Ah ouais, je suis prêt, comme je disais tout à l'heure. J'aurais bien aimé que ce soit déjà le Vendée qui s'annonce ici au Sable. Ça donne un avant-goût, ça,
là, ça, de se rapprocher de la ligne, ça refait des choses dans le ventre, c'est vraiment top. Et puis bon, bah, cet après-midi, on remontera le chenal quand la marée sera haute, et je suis sûr que ça sera encore beaucoup d'émotions qui vont revenir, et ça va raviver un peu tout ça, s'il y en avait besoin avant d'être là en octobre pour le départ, quoi. Alors bah, notre objectif était de 4 enfants parce que c'était une course d'entraînement, donc on n'a pas essayé de casser tous les scores. Donc on avait un objectif raisonné, donc on a réussi à l'atteindre. Donc c'est top, 4 enfants sauvés et une autre course finie et plein de followers et de fans qui sont super dynamiques. Et je pense qu'avec l'histoire qu'on va pouvoir raconter, il y aura encore plus de clics à venir. Et en tout cas, j'en profite pour les remercier d'avoir suivi l'aventure et de m'avoir soutenu un peu parce qu'il y a eu des moments pas faciles dans la réparation. Donc c'est toujours important de sentir qu'il y a du monde derrière.